Dans l'évangile selon Saint Luc, il présentait Jésus comme le Fils de l'homme. Dans l'évangile selon Saint Jean, il présentait Jésus. Il a bien invité à ouvrir avec nous la Bible dans Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La paix, mon Dieu, avec vous. À soi, nous voulons parler de Jésus, l'homme sans égal. À soi, nous voulons parler de Jésus, l'homme sans égal. Jésus, l'homme sans pareil. Jésus, l'homme sans rivalité. Jésus, pas un opposant. Jésus, pas une personne qui a campé bon côté. Après lui-même, pas encore. Et nous sommes lire dans Philippiens chapitre 2. Et si vous avez lu dans les versets précédents, versets plus royaux, vous sentez que dans les versets précédents, la parlait d'un modèle, un modèle d'humilité. Quand elle dit, s'il y a donc quelques consolations, quelques soulagements dans la charité, rendez ma joie parfaite. Et un même sentiment, une même pensée, une même âme et un même amour. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et puis devant la vie, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ, chaque évangéliste, il présentait Jésus son personnage différent. L'homme prend dans l'évangile selon Saint Matthieu, il présentait Jésus comme le roi des rois. Il a fait dans Matthieu, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux sera semblable à une marchande de belles perles, etc. Dans l'évangile selon Saint Luc, il présentait Jésus comme le Fils de l'homme. Dans l'évangile selon Saint Jean, il présentait Jésus comme le Dieu, comme le témoin de la création. Et là, regardez la façon que Jean introduit l'évangile. Là. Jean planait jusque dans la création. Jean dit, au commencement était la parole. Et si nous voulons quitter Jean de côté, nous prenons un ordre chronologique, les quatre évangiles. L'évangile de Matthieu, il commençait avec la généalogie de Jésus-Christ, pour le ramener Jésus-Christ au fils de David. Dans l'évangile selon Saint Marc, il montre Jésus, le ministère de Jésus-Christ. Dans l'évangile selon Saint Luc, il montre, malgré Luc pas là, mais Luc commençait l'évangile en tant que médecin. Vous sentez que Luc, il dit, il n'est pas témoin du ministère du Seigneur. Mais, il fait des recherches exactes par des témoins oculaires, des hommes qui se font ministres de la parole. Et puis après, il dit, excellent Théophile, et puis il commence à écrire l'évangile là. Mais pour Jean, c'est contraire. Dans l'évangile selon Saint Jean, il a présenté un aspect panoramique de Jésus. Il planait jusque dans la création. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et c'est là que témoin va au noyer. Parce que Jésus son serviteur. Et alors que mes gens disent au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il est le témoin de la création. Et c'est là que témoin va au noyer.
Il a présenté Jésus à soi devant. Quand les hommes versés dans la Sainte Écriture a parlé de Jésus, ils ont présenté le squelette Jésus à même. Ils ont pris Jésus. Jésus visité par les mages. Les mages d'Orient. Ils ont divinement averti en songe que quand Jésus parle prend naissance, c'est bon simple homme nié, mais son homme extraordinaire. Il est Dieu totalement Dieu. Il est l'homme parfait. Il est l'homme sans égal. Et la parole de Dieu montrait quand les mages d'Orient apparaissent pour adorer ce Jésus, ce petit enfant dans la crèche. Il apparaît avec trois éléments pour montrer le personnage ça, qui est dans la crèche, qui est ça. Il apparaît avec l'encens, symbole de la divinité de Jésus. Il apparaît avec la myrrhe, symbole de la souffrance de Jésus. Il apparaît avec l'or, symbole de la royauté de Jésus. Ça veut dire, ce petit enfant couché dans la crèche, il est le Dieu par l'encens représenté par les mages. Ce petit enfant couché dans la crèche, il est le Dieu totalement Dieu. Il est l'homme souffrant. Il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur et en paru comme un simple homme. Eh bien, ce petit enfant couché dans la crèche, et je dis, il y a qui va dans la crèche encore. Et le fait qu'elle va dans la crèche encore, nous dit, il n'est pas nécessaire pour l'église fêter 24 décembre parce qu'elle n'a pas dit Jésus dans la crèche. Nous avons Jésus, le roi des rois. Si l'église catholique a fêté si Jésus dans la crèche, ils sont capables. Mais nous-mêmes, nous avons Jésus, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Il a quitté la crèche à longtemps. Et on dit Jésus dans la crèche parce qu'il a une victoire devant l'ennemi aujourd'hui. Jésus pour nous victoire devant ennemi, c'est le lion de la tribu de Judas. Ça fait qu'on a étudié les étapes de la vie de Jésus. Nous quittons Jésus dans la crèche de la net. Nous avons un petit Jésus de la crèche, visité par les mages. Nous avons Jésus, l'alpha. Alléluia. Jésus, l'oméga. Jésus, le premier. Jésus, le dernier. Jésus, le commencement. Jésus, la fin. Regardez comment ça va passer. On nous entend, nous. Faut-il bien que l'évangile apprend l'autre dimension? L'évangile, ça, le Seigneur Bambou, je vois comment relève l'évangile deuxième vitesse. Parce que Jean Laboua est là, Jean de Loaïa, il faut nous passer 4 par 4. On l'évangile 4 par 4, oui. On l'évangile double. On a passé double là, et puis on a chuté la boua 4 par 4. C'est 4 roues motrices, on a passé, parce que la boua fond. Pour nous entrer dans la boua. Je dis à lui, il est pour jeune fille, pour l'évangile, Dieu me l'amène. Même si maman n'est pas converti, l'évangile ou gagne, elle a traversé de loi. Même si papa n'est pas converti, l'évangile ou gagne dans mon nom, la jambe de loi. Voilà, mais passez mes hasards. Bye bien aimé, quand on prend demain. Dis-le, c'est pour qu'on l'évangile, Dieu. Même si maman n'est pas converti, l'évangile pour la jambe de loi. Passez mes hasards, passez mes hasards. Même si papa n'est pas converti, mais l'évangile ou gagne dans mon nom, la jambe de loi. Même si maman n'est pas converti, l'évangile ou gagne dans mon nom, c'est pour le jambe de loi. Alléluia. Amen. Même si mon lakao n'est pas converti, mais l'évangile ou gagne dans mon nom, c'est pour le jambe de loi. Même si maman n'est pas converti, l'évangile ou gagne dans mon nom, c'est pour le jambe de loi. Alléluia. Alléluia. Amen. Passez mes salles, passez mes salles, passez mes salles, passez mes salles. Bah bien aimé, quand on nous prend les mains, dis même si mon lakaou, pas qu'on a l'église, mais l'évangile ou gagne dans mon nom, c'est pour le jambon de loi. Même si tout le monde lakaou va la convertir, mais l'évangile ou gagne dans mon nom, c'est pour le jambon de loi. Amen. La paix, bon Dieu, avec vous. À nous reprendre, à nous reprendre, à nous reprendre. Jésus, l'homme sans égal. Nous avons regardé Jésus à travers les Saintes Écritures. À 12 ans, Jésus fait trembler le sang des drains. Les hommes de lettres, les hommes de la connaissance de la loi, à 12 ans, Jésus fait trembler. Ça veut dire Jésus, ça, c'est un nom qui est branlé, même le monde des esprits. Ça fait toute expédition, tout mouvement qu'on a fait dans la clandestinité. Il a dit l'Éternel. Mais on n'a pas qu'à dire Jésus. Les nègres réunis dans la loge, a fait signe cabalistique, a tracé vers vers.
Yo ka di l'Éternel, yo ka di grand maître, yo ka di grand Dieu, mais non pas Jésus. Et le nom de Jésus fait trembler le monde des esprits. Le nom de Jésus fait trembler les forces du royaume des ténèbres. Et selon Saint-Dabline, Emmanuel Amos, pendant la réunion a fait comme ça, et puis le dernier mot paraît, et puis il dit, mais Jésus ça, il est pour le venir, et puis il s'est fait tomber, pip! Ça veut dire, non ça, il n'y a pas qu'à citer, il ne fait pas qu'à citer, c'est pour le trembler. Ça fait asseoir ou même, vous avez besoin de le nom de Jésus. Ce n'est pas dans porte caille pour le cri. Mais c'est pour le nom de Jésus écrit dans porte caille. Ça fait le nom de Jésus. Ce n'est pas dans mon choix pour le cri. C'est dans porte caille pour le nom de Jésus écrit. Ça fait nous-mêmes nous camper avec l'évangile sans mêler ça. Nous ne croyons pas protestants qui ont gêné à la blanche idolâtrie. Nous ne connaissons pas les gens qui marquent mon choix. Ce n'est pas mon choix pour marquer, c'est quelqu'un pour marquer. Nous avons céleste, capable en vert et blanc, bon corps ou grand. C'est pour nous que le nom de Jésus écrit. Et ce n'est pas avec fil pour l'écrit. C'est le sort du Saint-Esprit pour écrire le nom de Jésus. Et je dis à nous, venons là pour nous passer balai dans le protestant. Oui, pour nous passer balai, pour nous retirer toute vieille tendance à mes célestes, pour nous marcher pied à terre, pour nous mettre des robes blanches, coller vêtre, tout bagage ça, c'est apprentissage ongan, apprentissage loa. Le nom de Jésus suffit, ce n'est pas rad. Le nom de Jésus plus fort que toile, le nom de Jésus plus fort que couleur vêtre, le nom de Jésus plus fort que robe kaki, ce n'est pas robe kaki pour nous mettre, le nom de Jésus suffit. Jésus, l'homme sans égal, à travers l'histoire, en pile gros non paraît, mais au disparaît. Mais le nom de Jésus a, le nom de Jésus est, le nom de Jésus était, le nom de Jésus règne. Il y a un historien qui a parlé de Jésus. Il dit Jésus, ça va jamais l'école. Et cependant, la connaissance que Jésus gagne, il m'a réuni tout établissement scolaire. Il n'est pas capable de saisir la connaissance totale de Jésus. Et même historien, ça a continué à parler de Jésus. Il dit, Jésus, ça, il va jamais étudier dans l'école de médecine. Et cependant, pas comme médecin qu'on lit. Jésus, il va être dans la psychiatrie. Mais Jésus guérit maladie. Jésus guérit maladie mentale. Et si nous devons faire un tour d'horizon, il a dit, Jésus, pas jamais commandé une armée. Et cependant, des volontaires qui acceptaient marcher avec Jésus, même si nous avons réuni toute l'armée de la terre, il n'y a pas qu'à former cette grande armée que le nom de Jésus a commandé. Jésus, pas jamais un compositeur. Et cependant, des cantiques qui ont composé sur le nom de Jésus, même si nous avons réuni tout le cœur, il n'y a pas qu'à contenir des chants que le nom de Jésus valable, fortifié. Jésus, ça, ce n'est pas mon qui me fait paraître. D'ailleurs, historien dit, il vit dans l'effacement. Malgré, il est le grand, il est le roi, mais il toujours vivre inaperçu. Ça fait aujourd'hui, le nom réellement grand, ce n'est pas pour le faire paraître. C'est pour le vivre dans l'effacement. Valeur à l'ila, valeur à cacher. Il y a un roi qui mounouille, l'or commence à produire. Ça fait l'or, ou chitant dans l'église, ou pas besoin de gourmet pour place. Les bons diables, levez tête ou à la levez tête ou quand même. Et je pour mon Dieu, levez tête ou à, si n'est que mettre barré ou la pour passer quand même. Si n'est que mettre voyage jeté ou à passer quand même. Si n'est que mettre chiron enveloppe ou à passer quand même. Si n'est que mettre faire vieux coup de fil sous dos ou à passer quand même. Si n'est que mettre pas un bord du service, laisse le ciel à lever tête toi, la lever tête ou quand même. Jésus, l'homme sans égal, il est à étudier le pouvoir de Jésus. Pas bon grand, il cite non pile grand, il cite non Hérode le grand. Hérode, l'elle tendait parler de Jésus, ça, Hérode tellement secoué. Et toute Jérusalem secoué avec Hérode. Et on sentit
Ce Jésus cité dans l'histoire, il est un grand au-dessus de tous les grands. Et Hérode campé, il est le majeur, il dit, oh monsieur, m'apprenne que nous venons visiter un grand. Moi-même tout, en tant que grand, je me sentis, je suis auxiliaire de ce grand. Mais quand même, l'enfin ouel, dis-moi même tout mal ouel. Et Hérode gon truc, Hérode gon ruse, il comprend qu'il a défait grand ça. Il n'est pas capable. Et là, Hérode garde les ouels, il jouait par les mages. L'histoire dit, Hérode entrait en colère sans pareil. Et Hérode commençait à publier le massacre de ses innocents. A tuer les enfants mâles au-dessus de 2 ans pour le tuer ce roi des rois, ce seigneur des seigneurs. Hérode trompe ici. Et la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, Hérode habillé un manteau royal. Pendant Hérode a fond discours, Négote voulait lever Hérode au rang de Jésus. Il dit, Négote fait discours ça, c'est pour un homme nié. Son Dieu qui fait discours. Et depuis tant, mon ange qui déplacé. Et puis, on l'a déplacé. Et puis, il coupe Hérode au calotte. Et puis, Hérode tombe et puis, vers prendre. Ça veut dire que tout le monde qui veut camper par contre Jésus, ou bien pour tomber pour vers prendre. Ça veut dire à nous-mêmes en tant que chrétiens, depuis nous finissons saisir pour Jésus, ça, nous ne pouvons pas saisir pour personne encore. Nous avons un amour pour le monde, nous avons une sympathie pour le monde, mais avec limite. Mais sympathie sans réserve, sympathie aveugle, sympathie à la folie, c'est pour Jésus pour lui. Pour ça nous obligeons une sympathie pour Jésus, aveugle, sympathie à la folie. Parce qu'il est le puissant, il est le tout puissant. Regardez l'action que Jésus fait. La Bible dit, pendant que Jésus finit de faire réunion avec les disciples, et puis il renvoie les messieurs. Et lui-même il gravit montagne dans la prière. Pendant que sous de l'eau, une tempête qui déclenche. Et puis Jésus, pendant le sous-monde, et puis le roi en péril sous la mer. Pendant le roi monsieur en péril, garde distance côté lié sous montagne. Garde côté négué en pleine mer. Mon cher Jésus, il est le roi. Il est l'homme sans égal. Il descend de montagne. Pendant le descend de montagne, et puis il a marché au rivage là. Pas un bac, pas un chaloupe, pas un bâtiment. Jésus campé. Pendant Jésus campé, il commandait la mer. Il fait la mer venir ciment. Jésus marcha sur les eaux. Qui roi qui a marché sous de l'eau? Qui président qui a marché sous de l'eau? Qui empereur qui a marché sous de l'eau? Qui monseigneur qui a marché sous de l'eau? Qui pape qui a marché sous de l'eau? Seul Jésus, l'homme sans égal. La terre connaît des grands. Mais malheureusement, ils ont mouru, ils n'ont pas quitté trace. La terre tellement qu'on est des grands. Dans le nord, je parle de roi Henri Christophe. Un grand homme. Mais malheureusement, il est tombé à apoplexie. Malgré le roi Henri Christophe, un grand homme. L'aile palais son nègre qui fait nègre pipi sous lit. Mais quand même, la mort fouquelle. Et la mort fouquelle, la mort frappelle face à terre. De l'Artibonite, on nous a parlé de Dessalines. Malgré grandeur, malgré capacité, malgré bravoure, la mort fouquelle quand même. On nous a parlé de François Duvalier, un grand homme, un grand historien, un grand homme, un grand politicien, mais quand même la mort fouquelle. Ça veut dire, et j'en passe, tant de grands, mais à nous prendre Jésus, et ce Jésus, là nous entrer dans le contexte de l'histoire, Jésus bat 4 failles de résurrection. Première faille de résurrection qu'il bat, c'est la résurrection de la fille de Jaïrus. La Bible dit, Jaïrus, une jeune fille qui est gravement malade. Il voyait des messagers à côté du Seigneur pour le Seigneur venir avant sa plus grave. Et la Bible dit, dans un retard ministériel, mettre l'arrêté, et la jeune fille a mouru déjà. Et la Bible racontait, il voyait un deuxième messager, elle dit l'homme sans égal là, il va venir fatiguer parce que sa fille a mouru. Mais l'homme sans égal, ça, pas grand rien qui a campé devant comme barrière. Et que nous-mêmes nous disposons à marcher d'aide de l'homme sans égal ça. Même si nous n'avons pas de côté pour nous dormir, nous marchons avec elle. Même si nous n'avons pas de gros compte en banque, nous marchons avec elle. Même si nous avons orphelin, nous marchons avec elle. Même si nous n'avons pas de gros famille pour soutenir nous, nous marchons avec elle.
même si côté nous rete a, les lapis tombé, c'est qui vête pour mettre sous cabane pour ramasser de l'eau, n'a marche avec elle. Même si nous faisons journée sans manger, n'a marche avec elle. Et pendant Jésus paraît, la caille Jaïrus, l'ouenegio a joué quatre, l'ouenegio a goumé pour te, comme ça toujours fait. Et qui aime ça, je dis, ou même chrétien, ou même protestant, ou besoin qu'on l'évangile diam, pour marcher à l'homme sans égal, ça, l'homme en cas de mortalité pour camper diam. Parce que avec l'homme sans égal, ça, n'a suspendu un protestant qui a décomposé dans le cimetière. Avec l'homme sans égal, ça, n'a suspendu un protestant qui a pot d'aille. Nous pas pot d'aille encore, nous pot d'aille dans le cœur. Abat-toi le noir, vive d'aille dans le cœur. Et pendant Jésus, il prend Pierre, Jacques et Jean, il va l'entrer dedans, il apparaît dans la porte là, il dit, monsieur, pas de monde mourir là, nous mettons dans la caille nous, ramasser quatre, nous mettons quatre dans la poche nous, ramasser deux minutes, nous mettons dans la boîte, pas de la mort là. Il dit, monsieur, oh, c'est ce que ça dit là, mais tu viens coucher dedans, bonne mâchoire le maré. Jésus entre en dedans avec Pierre, Jacques et Jean, et puis il est entré dans la chambre, côté de la dame, coucher, bonne mâchoire maré. Il dit, jeune fille, levez. Jeune fille a levé, elle m'a demandé maman de manger. Nèg d'ailleurs dit le pas que mon rivé. C'est un coma, c'est une décomposition. Et l'homme sans égal a travaillé toujours. Deuxième phase de résurrection que l'homme sans égal baille dans l'histoire. Pendant la avancé, et bien on convoi, ils ont rel, ils ont dame, vente marée, ils ont veuve qui perd du mari et qu'on a un seul garçon gagné, mais il va l'enterrer. Et Jésus campé, il dit, mettez ce qu'est la terre. Et si on te dit, si fia va te mourir, ça c'est qu'elle a été en route vers le cimetière. Ça c'est tout bon vrai. Et Jésus campé, il dit, jeune homme, levez. Et c'était pour la première fois dans l'histoire, et on t'a monté renvoyé. Il va imaginer l'homme sans égal ça. Moun qui t'a crié, moun qui t'en noir, moun qui t'en dé pral la caille, enterrement renvoyé. Ça veut dire côté l'homme sans égal, ça a passé, c'est pour enterrement renvoyé. C'est pour nous qui kon jouer 4, ployer 4, mettez dans poche yo. C'est pour nous qui kon jouer domino, mettre domino dans boîte, à la caille nous, pas gain la mort là. Et ça fait me sentir, l'homme Jésus, l'homme sans égal, ça, en pile situation va changer. Ou même qui ont vieux persécution dans la race, invitez Jésus à entrer. Ou même jeune fille, tout son fait, ou bon bagage, qui a prédit derrière, remettre Jésus la vie ou non. L'homme sans égal là, il a une capacité pour changer l'ordre des choses. Il n'a bien plus le jeune ça, il est très ouap passé, très ça sorti depuis dans arrière-grand-mère, arrière-grand-père. Invitez Jésus à dans la race là, pour voir s'il va mettre l'ordre dans ça. Ou des problèmes dans la mémoire. Ou retarder l'école, qu'on disciple de classe ou qui était dans la même classe avec, là le quitte derrière, ou qu'on vieux bagaille, cap nuire, remettre l'homme sans égal là, ça non, pour mettre l'ordre dans ça. Vieux baka, ça qui est dans la race là, vieux baka, ça qui est dans l'habitation, vieux baka, ça qui est dans sous l'eau, qui est dans chouk bois ça, fait Jésus mettre l'en rôle, il est capable. Et troisième phase de résurrection, que cet homme sans égal te baille. Dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 11, il parlait de 100 000 Lazare et qui gravement malade. Et si on te dit, élémentaire dans ce cercle-là, semblait pas mourir, parce que le pas possible pour nous mourir, cadavre, bonne mâchoire pour le lever. Jésus dit, il prend le baillot. Il y a une troisième phase de résurrection pour le montrer, c'est l'homme sans égal. Eh bien, dans le retard que Jésus fait, 100 000 ont été mourir et 4 jours dans le tombeau. Et cadavre gâté. Et là, Jésus paraît dans le contréa. Et le Béthanie, village de Marthe et de Marie et de son frère Lazare. Jésus paraît, première parole, ça dit Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et ça s'est confirmé que ce frère a mouru. Et cela depuis 4 jours, il est tombé en décomposition. Et Jésus m'a dit, mesdames, yo, et il dit, mesdames, yo, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Voilà la déclaration de cet homme sans égal. Et la parole de Dieu dit, Jésus m'a dit, mesdames, yo menen. Alléluia. Menen. Yo même yo comprenne, c'est moun qui va le crier dans le tombe. C'est moun qui va le même bouger dans le tombe. Qui de nous dit ça? Ça n'a pas de soya. Ou même l'église ouvre les oreilles, vous tendez ça. Maman malade, papa malade, c'est des piles malades là. Fait tout ce qu'on est pour lui. Changer de rang badol, petit bouillon à l'air, exécuter prescription dans l'air pour exécuter. Depuis j'ai le fermé, nous séparés. Ou pas doué, li pas doué. C'est un dedans de religion, gros caille ça à l'autre bord, li dit même si moun nan mouri, s'il te brille malette li, ou ka ranger le voye pour lui. Regardez, depuis j'ai le fermé, li pas doué ou pas doué. Pendant maman couché dans le coin là, foubidon, changer rad sous lit, balle de bonne humeur, pas balle mauvais gens, l'aile l'eau dit présent, parce qu'en pile fois, moun nan kon mouri, c'est pas seule maladie actuelle, mauvais gens tuent le tout. Parce que imaginons, il y a un monde qui a une santé sous l'île, vaillante. Et puis pour le raconter, il est ramené par la maladie, couché dans le coin, et c'est moun qui a demandé service. Et quand il a demandé service moun service, il n'a pas fait la leur. Vous demandez combien qu'elle est capable de chagrin, combien elle a couché en côté. Vous pouvez voir les malades à crier. Elle songe santé, elle songe capacité. Elle songe, elle était sous pied, comment elle était utile, tête li. Mais je dis, elle a demandé moun service. L'en aller plus loin, après que Jésus fin baye, troisième phase de résurrection, l'homme sans égal, côté qu'elle mandait pour mener dans le cimetière, mener côté enterré là, et elle paraît dans le tombe, il dit Mat, ou les roches là, il dit Seigneur, il sent déjà, il y a de cela 4 jours, quoi qu'il est tombé en décomposition, et Jésus dit, il m'a dit au soukoué, ouais, la gloire de Dieu. Où les roches là? Automatiquement que les roches là. Et le Seigneur levé chez l'homme sans égal. En relation avec son père. Il dit, papa, moi qu'on a exaucé déjà. Mais pour moi, ça qui entoure maintenant. Je m'a demandé pour dire un bagage, dire un mot. Et puis il dit, Lazare, sors. Et depuis côté, il dit Lazare, sors ça. S'il pas dit Lazare, s'il te dit les morts, ça. Regardez, l'histoire dit, à l'appel de cet homme sans égal, quand elle paraît dans le cimetière, lui qui est la vie, lui entre dans le cimetière pour voir la vie, à tout corps qui tombait en putréfaction. Mais le fait qu'elle spécifie le nom de Lazare, l'autre m'a obligé de rester. Mais s'il te dit, il est mort, sors! Il est l'homme sans égard. Quand il y a, il y a un petit doute toujours. Il dit, semblait Lazare vraiment, lui ressuscité des morts. Mais il n'y a pas de fin de croire, son bagage mystérieux. Et il te dit, Jésus, médecin, guéris-toi toi-même. Et la Bible dit Jésus, il va aller en quatrième et dernière phase de résurrection. Les pharisiens, ils refusaient de reconnaître l'autorité de Jésus. Ils niaient l'autorité de Jésus. Ils font toute combinaison. Parmi les siens, ils font combinaison, ils vendent. Jésus condamné. Condamné à mort. Jésus crucifié. Jésus dans la tombe. Et les hommes de la religion, les Romains, ils mettaient des vaillants soldats pour suivre quoi. Mais Jésus pas seulement qu'a fait pour le monde, il a fait pour tête et tout. Et c'est une raison qui fait nos fruits pour nous marcher avec elle. Il y a un gang qui a la mort pour le monde, mais il n'y a pas la mort pour elle. Mais Jésus lui fait pour tête, lui fait pour monde. Et pendant Jésus, couché dans ton blanc comme 2 Pierre 3, 1 Pierre 3, verset 18, il dit Christ,
et a été mis à mort quant à la chair. Mais quant à l'esprit, il s'est rendu vivant. Il est allé aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lors de la passion de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Ça veut dire qu'il était déposé quoi dans le tombeau, mais Jésus était vivant quant à l'esprit. Pendant les hommes, t'as fêté parce que Jésus est dans le tombeau. Mais dans le premier jour, il y a un travail qui t'a fait l'homme battre qu'on est ni. Dans le deuxième jour, il y a un travail qui t'a fait le sang des drains, les pharisiens, pas de condamné. Mais le troisième jour, malgré que Rochat est là, le soldat était là, Rochat est roulé. Et Jésus est sorti victorieux. Et là, l'église est victoire. Là, l'église a levé tête. Li, parce que Jésus n'est pas dans le tombe encore, il est ressuscité. Et je dis, allez, on a étudié les étapes de la vie des hommes, de cet homme sans égal. Nous quittons crèche là-dedans. Nous quittons la molle là-dedans. Nous quittons la résurrection là-dedans. Qu'on a un seul bagage à Napton retour. Napton retour ça. Retour ça, qu'on débat tout le monde qui a pas part à retour ça. Dans le retour qui parle sur la terre, mais pas de chambre égal à ce retour de cet homme sans égal. Quand il retour qui fait sous la terre, il était pensé retour ça, on t'a soulagé. Mais c'est histoire qui finit. Mais retour ça, quoi le fait tout à l'heure que vous n'y pensez pas. Dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 25, verset 13. Il veut donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. En Matthieu 24, verset 44. Il tenez-vous prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Ce retour qui va consoler les chrétiens. Ce retour qui va mettre fin à pèlerinage nous sous la terre. Retour ça, l'écrit va paraître. L'église va enlever. Laissez la terre avec toute mauvaise nouvelle. Laissez la terre avec toute collision. Laissez la terre avec toute méchanceté. Laissez la terre avec tout bien mal séparé. Il y a des gens qui sont riches et des riches. Et il y a des gens qui ont dormi en bagalerie. Laissez la terre avec grand propriété terrienne. Ça a 3, 4, 5 carreaux de terre. Ça a un petit côté pour le fond, il commence à faire fini. Laissez la terre avec Sila qui était dans le balcon. Sila a l'abdomen dans la cabane, dans la caille, en tâche, en tôle. Il va même avoir un bon porte sérieux. Il y a des côtés qui ont été, c'est seul bon Dieu qui t'a donné mon boulot là. On vieux porte, il va gagner gond, il va gagner pantil, il va gagner charnière, il va gagner couplet. On vieux semelle soulier, il va gagner semelle soulier, cloué dans la porte là, on semelle soulier qui couplet. Marie par en dedans, à corde. On a laissé ça, on a dit la terre au revoir. Et quelquefois, moun sort crité dans le cas ça, moun honnête, moun droit. Monde de témoignage, monde de crédibilité. Et l'église, je dis, monde ça y a manqué respecté. Depuis monde n'a pas de valeur, pas de capacité. L'église, même réunion, pas de même. Il m'a marché pendier de la peau de tous côtés. Mais vieux caille ça, qui n'a pas de grande chaise. On vient caille bon cas. On vient caille si tu veux. Je ne sais pas si moi ici, je ne sais pas si tu veux. Si tu veux, c'est quatre petits poteaux à croque. Yo plante à terre et yo passe deux travers sous lui et yo passe au travers ici et passe au travers ici et puis cabane si tu veux. Quatre petits poteaux à croque. Yo passe au travers dans croque ça, cal dans croque ça. Yo passe au travers dans croque ça, cal dans croque ça et puis yo réunit bois sous lui. Yo mettez paille, yo mettez ceci là, cabane. Regardez, on dérive dans un bureau. Non, un bureau allemand. Un quartier général de la mission allemande. Et puis, il est entré dans le bureau ça, dans la chambre côté au planifié pour dormir, il mette me dormir son cabane de l'eau. Moi, j'ai une belle base sur la terre, oui. Il mette me dormir son cabane de l'eau. Oh! Vous montez sur le cabane là. Je l'ai comme, je ne peux pas. Regardez, l'histoire va finir.
n'a pas sorti dans grand nez cabane de l'eau malheureux si t'en voulez à terre grand nez bourgeois millionnaire cabane de l'eau cabane orthopédique me songe me dal forcément avec un architecte pendant architecte la recevoir madame ni son infirmière et puis recevoir la caillou et puis bon mon sandal orthopédique ba je répète mais oui un sandal orthopédique. Et sandales ça l'est l'empire, vous mettez fatigué ou pas senti fatigué là, parce que son sandales orthopédique. Et puis, regardez, vous mettez me coucher son cabane orthopédique. Et puis pendant me coucher sur cabane là, et puis ingénieur, vous avez préparé, il met table sous côté pour venir faire enseignement, pour venir tendre enseignement, venir tendre étude là. Madame Niki t'a préparé manger, mettez manger tout près là. Et puis vous mettez me coucher son cabane orthopédique. Et puis pendant me coucher sous cabane orthopédique là, et puis il a demandé qui au thème les têtes moi. Madame n'a pas manette la biré et puis tête pas vinn bio, tête pas vinn bio, tête pas vinn bio. Regardez. Et il a dit passe et tête bon la passe. Les trois haut passe. Les trois bas passe. Un jour tout bagage ça va finir. La terre va connaître un niveau côté les siens, les enfants de Dieu va consoler. Pendant s'il a accouché, il a craqué. Il n'a pas de droit à plagator, il n'a pas de droit à ventilateur, il a craqué. Un jour tout bagage ça va finir. Quand l'homme sans égal là va paraître. Si couramment, il a Jésus non l'homme sans égal. Bibliquement, qui non même. Il est une spéculation biblique pour entrer dans la Bible, nous avons une marche processionnelle dans la Bible. Nous avons chaque monde dans la Bible, bah, Jésus non. Si dans l'évangile, c'est dans Saint Jean, chapitre 1er, la façon que Jean te parlait, il montrait Jésus, c'est Dieu. Dans l'évangile, c'est dans Saint Jean, chapitre 2, c'est deux jeunes gens qui ont marié. Il était senti dans nos yeux, même si tout le monde n'est pas fini. Mais faut-il bien que cet homme sans égal soit venu. Il fait part de Jésus. Il voulait quatre balis avec toutes les disciples. Mais mon sac a fait nos là, a fait tellement pas trop bon. Il voulait croquer Diakout, il côté pour être arrivé. Et l'histoire dit, pendant la réception, a fait réception bloquée parce que messieurs, dames, il n'y a pas de possibilité. Mais puisque l'homme sans égal là, était là. Et maman dit, mais Jésus, monsieur dame, il y a un problème dans nos cieux. Mais divin ou manqué. Jésus dit, femme, qui relation entre moi ou même, l'aime pour arriver. Et femme dit, fait tout ça, elle dit nous fait. Jésus, il est l'ordonnateur du repas. Parce qu'elle était là dans nos là. Ça fait ma demande que tout soit réglé. Invitez l'homme sans égal. Attendez. Que c'est Mario pour le marier. Invitez l'homme sans égal. Attendez. Que c'est partout pour le parti, invitez l'homme sans égal, l'attendez. Que son cas pour le bâti, invitez l'homme sans égal, l'attendez. Parce que côté lié, pas de danger. Et cet homme sans égal a commandé à l'ordonnateur du repas, il dit, il plein jar ça de l'eau. Et pendant le film, plein jar de l'eau. Après quelques temps, il dit, épuisez maintenant. L'ordonnateur du repas, il constate de ses propres yeux. Que j'aille cette gloire mettre là-dedans. Mais est-ce que qu'on servit de l'eau dans nos? Mais il l'homme sans égal là. C'est qui est-ce qui dit mettre de l'eau là? C'est qui est-ce qui dit puiser maintenant? Et mais puiser maintenant. Et la Bible dit, pendant l'homme sans égal là, fin de puiser maintenant, on donne un doute dans ça. Il prend un petit carap, il prend un petit godet pour le goûter. Il va être divin, ça n'a pas qu'on divin qui semble avec elle. Ça veut dire côté l'homme sans égal là, c'est ça qui est plus bon pour le bail. Attendez. Ça aide à nous comprendre l'homme servi, bon Dieu, mon frère. Même si l'homme chiffonné, les Jésus a levé tête ou la bosse, ça qui est plus bon. Ça veut me comprendre l'homme sans égal là, levé tête ou bien pour changer couleur. Mais même non, il a changé. Même si vous êtes marié, ou êtes marié en 86, il va reconnaître nos sous, il va charrer nos sous. L'homme sans égal, ça levé tête ou il va reconnaître nos sous. Attendez. Même si vous ne reconnaissez pas comme madame mariée, parce que vous êtes marié, vous n'avez pas de meubles, vous n'avez pas de ceci, vous n'avez pas de cela. Mais un jour, l'homme sans égal, ça a levé tête. Vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas trotté pas, vous n'avez pas bégué pour le monsieur marié. Vous n'avez pas trotté pas,
moun ap manje dan pou relo monsieur marié. Pa jou bon Dieu vle pou relo monsieur marié. Moun k ap charé ou ap obligé relo monsieur marié. Moun k ap passe dans bêtise ap obligé relo monsieur marié. Moun ki prend non comme jouet ap bati non jouet ti non gâté. Ke de vie non gâté moun nan ba ou, li konnen non gâté ça savèl pou mouri. Son tache lié ou ti ceci, ti pierre, ti cela. Jésus vient pour le changer non. L'homme sans égal là vient pour le changer non. L'homme sans égal là, il pour retirer bouchou, retirer non dans bouche monde qui passe dans bêtise, qui passe dans risible. Nous camper mando à soir, rester camper des noms sans égal ça, l'a changé non, l'a changé couleur, l'a changé quartier, l'a changé autorité, l'a changé situation. Puiser maintenant. Écoutez l'homme sans égal là, dit puiser maintenant. Cabaret a retourné encore. Divin. Oh! Moun ki goûte deuxième vin sa, vin sa sot dans fabrique l'homme sans égal là. Yo wel pa gen même goût. On konn sa ou di? Yo di tout homme sert de bon vin tout d'abord. Après qu'on s'est enivré, il sert le moins bon. Mais toi jusqu'à présent, tu conserves le bon vin. Ça veut dire côté l'homme sans égal là, c'est bon bagaille. Pour qui sont pas ma chavelle? Pour qu'ils soient ou pas quitter main ou non main, à faire vieux des mains, faire vieux raquettes, faire vieux partie dans des collages. Être là, non, ou mettre, ou regardez, ou mettre, où ressemble-t-il, ou pas le faire la dernière, ou pas besoin de faire. Pas une dernière pour mon cap marcher avec l'homme sans égal. Même si résidence là, maman, on veut résidence là pour marier à cousin, l'évangile dit non. Vieux sœur là, boy, on vieux nègre. Ou pas qu'on rase, ou pas qu'on racine ni. On met le chisedec. Yo voye, mande pour jeune demoiselle, yo kaleje yo. Pour yo marche avec l'homme sans égal ça. Pour yo suspendre faire vie nos combinaison. Vie nos à cousin. Vie marié sous contrat. Gade même campé me dit, au nom de l'évangile, ou mette marié sous contrat. Ou mette ta marié à cousin. Ou mette ta marié à papa. Ou marié, marié net. Ou mette arrivé là-bas, ou elle fait procès pour qu'elle divorce. Ou marié, marié net. Est-ce que dans la cérémonie, est-ce qu'on va dire oui? Oui, sortez d'ya, le ciel scellé. Pas bien dit marié sous contrat. Et d'ailleurs, gon loi fait voter là. Gon loi fait voter là, yo dit loi ça, yo pas seulement d'accord non ça, mais yo d'accord faut gon premier petit fait toi. Déjà yo, la kété on a problème. Magoué on a problème. Marié sous contrat, marié cousin, marié frère, marié cousine, n'a couché ensemble pour bay petit là. Dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, l'homme sans égal, ça, c'est yon qui va garder, qui va perfiguer, qui va peut-être. Je dis à moi que des hommes, pour le prêcher l'évangile là, li peut-être. Li lè pour nous commencer à accélérer martyr là déjà. Li lè pour nous sauter l'église, pour l'entrer dans la caserne droite. Parce que l'évangile là, même son persécution lié. Et je dame senti qu'on bagage fait n'est pas capable de prêcher l'évangile à droite là, c'est sinistre compassion. Deux poissons violents, sinistre compassion. Sinistre fait n'est entrer là fait à tout soulier dans pied. Pas sinistre ça, cœur qu'a débarqué sinistre l'huile, pois blé, maïs et pois France, grain dit. Regardez, les Allemands les a regardé sinistre ça, yo regardé là avec répugnance. Mais nous même sinistre ça, nous tellement pas qu'on est important de Jésus. Quelquefois l'école sinistre, regardez les petits mounyo, pointe yo cherche pas manger, sinistre bande de marché. Regardez la même côté machine là, fin bail sinistre ya, gen marchand, gen client, gen marché garde blé à dans marché, diri dans marché, l'huile dans marché. Monsieur Abba l'huile sinistre, vive fidélité. Gede les timoun yo pas manger, yo pas oublier à cause ça pour ka vendre l'huile là. Sinistre la maintenant pile dans l'enfer. Jésus, l'homme sans égal, il va faire foi m'a dit ou même qui directeur l'école, ou même qui a un bel timoun sous compte pas vendre manger à dans mauvaise condition pas timoun yo manger. Nous toujours un ancien marché dans marché, n'a voye vendre caisse l'huile. Ça sont crime nié. Je dis à Gampil, net qui a parlé des Zinglindou méchants, mais il y a plusieurs formes de Zinglindou. Il y a un homme qui a sinistré pour bailler Simon. Il n'y a pas de bailler, ils sont Zinglindou liés.
Yon nèg yo bay manje dans l'école pour le bâtiment yo, li pa bay yo le vendre le marché son 5 glendou li et tout. Dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 3, la Bible dit grand docteur de la loi qui va résister devant l'homme sans égal parce qu'il tendait parler de nom ça et le servir lui. En tant que docteur de la loi, il sentit selon connaissance de la loi que le gagne, il va cal contre l'homme sans égal ça la journée. La Bible dit, il est entré à souhait, là, contre l'homme sans égal là. Mais même paraître, il paraît, avec qui ça le paraît, il paraît avec une flatterie. Il dit, Seigneur, vous entendez parler de vous, mais bagarre, vous faites pas de personne qui l'a fait. Si bon Dieu va avec elle. Jésus tout profite d'il, en vérité, mon Dieu. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Deuxième bagarre, Jésus dit, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il y a deux possibilités dans le royaume. Il y a voir le royaume et rentrer dans le royaume. Dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 4, la parole de Dieu dit, Jésus, fatigué du voyage, chita à côté du puits de Jacob. Et pendant Jésus chita, il a regardé une pauvre femme qui a vu une cruche de l'eau dans la tête. Pendant qu'il a vu une cruche, Adam n'a pas prendre de l'eau. Avant même que dame n'a adressé à cet homme sans égal, Jésus dit, femme, fais-moi cadeau un peu de l'eau. Femme n'a dit, mais qu'on va connaître par une relation entre juif et samaritaine. Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, quel est celui qui te dit donne-moi à boire? C'est vous-même qui t'a demandé de l'eau. Il t'a boit de l'eau pour boire. Femme n'a dit, mais maître, bon un peu de l'eau. Jésus dit, avant de boire de l'eau, allez chercher Marie. Femme dit, mais où tu as besoin de l'eau, ou pas qu'un sio. Et puis à fond. L'homme sans égal, ça, son puits lié, ils sont sous de l'eau. Ça veut dire pour goûter l'homme sans égal, ça, il n'est pas capable de changer. Les dames, ça, ils comprennent, ils prennent de l'eau dans n'importe condition. Il dit, mais tu as besoin de l'eau. Jésus dit, avant de boire de l'eau, allez chercher Marie. Dame dit, pas de Marie. Jésus dit, ou bien fait de bague Marie, ou passe 5 déjà, et soit venu prendre de l'eau pour l'IA, c'est pas pour l'IA, c'est prêteau, prêtel. Et dame ne se sentit automatiquement qu'elle campait devant l'homme sans égal. Elle met main en tête, il dit, mes amis, viens voir un homme qui dit, tout ça me fait. Et femme ça, tout ancien client, te gagne, l'homme sans égal, la clé te piaille là. Ça fait me comprendre, de vous faire face à l'homme sans égal, vous mettez jeunesse. La clé te piaille là. De vous faire face à l'homme sans égal ça, vous mettez garçon ma comme, ma scruti, garçon gagne idée sous garçon, la clé te piaille ça. De vous faire face à l'homme sans égal ça, vous mettez condomine sous ta jouette, la changer condition de vie. Parce qu'il est l'homme sans égal. De vous faire face avec l'homme sans égal ça, vous mettez contre boîte à fia, vous semblez, quand il y a un gueule dire, gueule qui tellement boîte à fia, il met pas boire, il sous sans pas boire, depuis le passé bon boutique, il sous. Et bien à soir, l'homme sans égal ça, qui a changé gueule, gueule dire là, il a ouvert un gueule qui vous prêcher l'évangile tout partout. Dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 5, la parole de Dieu dit, pendant que Jésus apparaît, bon, piscine qui est la piscine de Bethesda. Il y a un bon nombre de malades qui couchaient à côté de la piscine. Non. Et la Bible dit qu'un ange qui descend dans la piscine de temps en temps. Et chaque fois, ange descend, premier malade qui la récolte dans la piscine, il guérit. Mais il arrive que la Bible dit qu'on est qui est près de 38 ans malade. Chaque fois, pour la récolte dans la piscine, non. Il y a un malade qui est bien important parce que la récolte avant. Et mais l'homme sans égal la vie n'a pas passé. Il paraît dans la piscine, non, il est là, malade. Il m'a dit, est-ce qu'il voulait guérir? Qui ça, il a répondu, il a dit, Seigneur, il n'y a pas de personne. Et le Seigneur t'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Mais travaille l'homme sans égal là. Ça fait me sentir que le Seigneur a guéri sans parler de docteur. Sors dans le ventre là, boule dans le sein, que le docteur dit, il va faire opération. Fais foi à cet homme sans égal. Quand on parle dormir, remettre ça, ou même qui gon bagaille dans ventre, l'homme en lui dit coucher sous dos, parler avec l'homme sans égal là, dans nuit la opération qu'a fait. Parce que c'est seul médecin qui fait opération sans couteau.
Dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 6, la parole de Dieu dit, pendant que Jésus fait une multiplication de pain, monsieur groupe en embouchure, il a cherché à manger. L'homme mange avec l'homme sans égal, ça. Ou pas de trois appétits pour manger. C'est pour chercher premièrement le royaume et la justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. L'homme mange avec l'homme sans égal, ça. Pas besoin de quitter de rien. La vie vous amène. Je connais malgré que je dis amen à soya, mais il y a un petit chita là qui inquiète qu'elle saute. Il y a un petit chita là qui inquiète de demain, qui inquiète de la ville, qui inquiète de côté de la passe là. Parce que maman ne va pas sembler rien, papa ne va pas sembler rien, femme ne va pas rien, yon quand rien. De quoi marcher à l'homme sans égal ça, ou pas besoin de paix, il y a bon référence. Et dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 7, la parole de Dieu dit Jésus, l'homme sans égal, pas trop bien vu parmi les siens. Il était tellement pas bien vu, même frère ne pas croire dans lui. Et je dis à ma courage, à soya, si famille ou pas reconnaître, ça va faire rien. Ou on a vivre dans la famille, il a minimisé. Comment t'as expliqué pour vivre dans la famille, maman, papa, frère, soeur, pour prendre humiliation. Si je dis à un bas humiliation, prenez avec courage. L'homme sans égal, ça, il y a un garage. Et garage, ça, pas une vieille machine, il va remorquer. Ou mettre pas de moteur, la réparer. Ou mettre pas de caoutchouc, la réparer. Li mettre tout est fin pourri, la redresser, la boucou. Ça fait me sentir jodia, sous même ka camper dans société, kembe micro dans main, col dans quoi pas dans figu monde, c'est parce que l'homme sans égal la terre réparer. Dans mon comprendre à soya. Depuis ou engagé avec l'homme sans égal, lui disposé pour réparer. Ou même y a passé dans bêtise, l'homme sans égal l'a disposé pour réparer. Ou même y a pas vie non, y aurait l'homme sans égal, lui disposé changer non. On compte toutes les dimensions de la misère. Mais qu'on a misère fini. Dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 8, la parole de Dieu dit, yo kembe une femme en flagrant délit d'adultère. Et face au kembe femme en flagrant délit d'adultère, selon la loi, yo ta de lapide femme nan. Mais l'homme sans égal, ça, li kon sa ka passe dans le cœur tout le monde, ça va me comprendre, même si accusé aujourd'hui, pas besoin de discuter, le Seigneur est la réponse. Yon jou kon aujourd'hui, bon Dieu va lever tête, tout entendez. Ça on doit faire tout le monde quoi le vrai pas plaider. Le Seigneur est la réponse. Et pendant les hommes campés devant cet homme sans égal et ils ont campé pour accuser d'amnan. Pendant ils ont campé pour accuser d'amnan, wash nan men. Pendant wash nan men yo, Jésus l'homme sans égal baissé tête à terre et monsieur wash nan men, y a tant un mot pour lapider d'amnan. Et Jésus baissé tête avec cri à terre. Après ça, levé tête, lui dit, qui connaît sans péché, ma fille a premier coup de roche là. Si je demande des femmes ça, comment le relève ça? Il a dit, ils sont justes juges. L'homme sans égal là, il est tout, il connaît tout. Dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 9, la parole de Dieu dit, Jésus paraît dans un nom, il est un nègre aveugle de naissance. Monsieur dit, mais Seigneur, n'est-ce pas qui est aveugle là? Est-ce que c'est péché pâle ou péché parent qui fait l'aveugle? Jésus dit, c'est pour que la gloire de Dieu est capable de manifester. Et Jésus était craché à terre. Il passait la boue dans le jeu. Il a lavé les yeux dans le réservoir de Siloé. Et la Bible dit, pendant que la lavé les yeux, n'est-ce pas? L'homme sans égal ça, pas de barrière, pas rien qu'à empêcher lui. Et dans l'évangile, c'est dans Saint Jean, chapitre 10. La parole de Dieu dit, cet homme sans égal, quand elle dit, je suis le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Pour que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Et dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 11, nous avons déjà parlé de Lazare. Chapitre 12. Le Seigneur, l'homme sans égal, recevoir une dame. Et qui a lavé pied lui avec gloire l'angèle. Qui a scié pied mettre là avec ses cheveux dans la tête lui. Les gens vexés de ça. Et Jésus dit, tout côté l'évangile l'a prêché, il y a raconté l'histoire des dames, ça. Et dans l'évangile, c'est dans Saint Jean, chapitre 13, la parole de Dieu dit, cet homme sans égal,
l'a formé les disciples, mais le sentiment des disciples a un esprit plus grand passé l'autre. Qui ça a été fait dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 13? Jésus prend une cuvette de l'eau, il mettait de l'eau là-dedans, et il y a une bonne toile qui m'a ressenti, il délague la bonne toile là, et il commençait à laver les pieds des disciples. Pour le montrer, il n'y a pas plus grand passé eux. Si lui-même le maître, le Seigneur, l'homme sans égal, qui a descendu dans le pied pêcheur poisson pour le laver, alors il dit, monsieur, il doit laver pied l'un l'autre. Et dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 14, Jésus commençait à ouvrir la porte du ciel. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et dans l'évangile, selon Saint Jean, chapitre 15, cet homme sans égal déclaré, moi c'est gros pied bois, nous-mêmes nous c'est branchio. Et si branche va être attaché dans le pied bois, l'a séché. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 16, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 17, c'est la prière sacerdotale. Quand il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et dans l'évangile, selon Saint Jean, chapitre 18, on commençait à l'arrestation de Jésus. Jésus dans le jardin de Gethsémané, l'homme sans égal, puisque les mages d'Orient t'ont présenté la mire, qui t'ont montré quelqu'un pour le souffrir. Et bien Jésus arrêté, et par les chefs de corvée, chefs de paraître, arrêté le marel, où il était prévu à souffrir ça. Et dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 19, Jésus crucifié, parmi deux brigands, Dismas, Gesmas. Et dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 20, on parlait de la résurrection de Jésus. Côté que la Bible dit, Jésus ressuscité des morts. Les disciples apprirent la nouvelle de la résurrection. Ils paraissent dans le tombeau, ils ne sont rien, ils ont fait autre chose. Mais Marie de Magdala, elle est campée là. Malgré, ils ne sont rien, elle est campée là. Elle regarde encore dans le trou. Il y a deux ans, ils ont à droite, ils ont un pied, l'autre à l'antenne. Ils Marie, soit chercher. Puis on cherche parmi les morts, c'est là qui est vivant. Il n'est pas mourir, il est vivant. Et Marie de Magdala a campé encore la crier. Il y a un personnage, il pensait son jardinier. Il dit, mais qui est-ce que tu Seigneur? Et puis Seigneur a dit, Marie, j'ai le vin où est le Seigneur. Il fait ça pour l'embrasser. Il dit, non Marie, pourquoi embrasser? Parce que je vais monter contre papa. Elle dit, frère, je vais le temps en Galilée. Allez dire à mes frères. Si le tenant ne garde pas la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous levez-vous matin et couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. La paix, bon Dieu, avec vous. Thème quoi ça de la même, ce qui s'alchita, c'est sur la restauration de l'âme, c'est ça? La restauration de l'âme. Où sentit David te déclarer ça dans Psaume 23. Il restaure mon âme. J'ai même cap côté une remarque que nous fait. L'homme laissait aller net vers le matériel. Et le matériel tellement encadré l'homme ou bien comment on t'a dit embrasser l'homme. L'homme n'a pas de temps pour n'amener. L'homme n'a pas de temps pour ça. Et il y a des gens qui ont un corps dans la main, mais ils sont pleins, mais ils sont sèches. Il y a des gens qui ont avoir, qui ont toutes les possibilités matérielles, en rien pas déranger, mais ils sont sèches. Le Seigneur te reprend.